Salut la team, c'est Romu, j'espère que vous allez bien. Ce soir je vous donne ma liste des bleus que j'emmènerai à la Coupe du Monde. On va faire ça ensemble, n'hésitez pas à vouloir la faire si vous voulez. Je vous mettrai le lien dans la description. Du coup, il nous faut 3 gardiens pour commencer. Alors, qui je l'emmène en équipe de France pour la Coupe du Monde? Déjà, je mets Lloris. Je mets Alban. Et on va mettre Maignan. Voilà, pour moi, en partant les 3 là. Pour moi, la valeur sûre avec ces 3 gardiens, c'est une valeur sûre. Il faut 9 défenseurs. Alors là, on va voir un petit peu ce qu'on a. On a en rab, on va voir ce qu'on va pouvoir. Parce qu'il y a une grosse liste. Hein. Il y a une grosse liste, il m'en faut 9. Il va falloir faire des choix. On va commencer back droit. Du coup, je mets Klaus et je mets. Je vais mettre Pavard. Je mets Pavard aussi. Donc les deux là. Ensuite, on va partir du coup sur du DG. Je vais mettre. Après, on fera être défense centrale. En DG, je vais prendre. Qui je prendrai en tant que sélectionneur? Lucas Hernandez, déjà, direct. Fernand Mendy, donc ça fait 4, il en resterait 5. 5, est-ce qu'il y a. En défense centrale, perso. Je prends Varane. Je prends Saliba. Je prendrai Koundé. Polyvalence. Donc on en a déjà 7. Il faut faire encore 2 choix. Qui il y a Lucadine qui me ferait pourquoi pas. Kipembe, je le prends quand même pour l'expérience, pour l'animation. Même si je pense que. Il n'y aura pas beaucoup de temps de jeu qui PMB étant blessé. Et bien sûr, je prends Théo. En plus, voilà. Je pars avec ce groupe-là. Du coup, à la Coupe du Monde. Alors, il va falloir sélectionner 5 milieux de terrain. Là, il y a du monde. Là. Il y a du monde. Qui je prends dans cette première liste? André, non. Cavaniga, non. Capou, je prendrai pas. Cacré, je prendrai pas. Fofana, pour moi, c'est trop juste encore. Gendouzi, je prends. Camara, je prends pas. Koné, je prends pas. Rongier, je ne prends pas. Rabiot, je prends pour l'expérience aussi. Thomas Lemar et Ndombele, je prends pas. Titi Savani, je prends pas. Je prends Tchouaméni. Je prendrai. Pour une place en remplaçant, mais pour l'expérience, je prendrai Moussa Sissoko. Et je rajouterai. J'hésite entre Fofana de Monaco ou Kefren Thuram. J'avoue, c'est vrai qu'on a. Il y a peu de choix. Peu de choix. Il y a pas mal de choix, mais peu de joueurs qu'on voulait. Veretout, j'emmène pas. C'est pas assez régulier. Je ferai une surprise. Moi, je mettrai. Allez, je prendrai Kefren. Je prendrai Kefren dans le groupe. Et pour finir, bien sûr, nos 6 attaquants pour représenter mon effectif. Et on n'oublie pas, juste avant ça, mettre ton petit pouce bleu, ça fera plaisir. Du coup, pour moi, les 6 attaquants que j'emmène dans l'équipe de France, je mets Karim Benzema. Je mets Ousmane Dembélé. Je mets Giroud. Je mets Grisou. Il me reste encore 2 places là. Oh, Kylian n'a pas le choix. Ah, mais il y a trop d'attaquants, c'est pas possible. Terrier, non, tel, non, Thuram, non, Pléa, non, Payet, non, Nkoukou. Nkoukou, je t'avoue, je le mettrai, mais, j'ai envie de récompenser un joueur qui est en puissance. Randal Kolo Muani. Voilà un petit peu, moi, ma sélection, valider ma sélection, du coup. Récapitulatif, du coup, les loulous, pour ma part, qui j'emmène pour ma Coupe du Monde, je t'invite à le faire et me le dire un petit peu ton ressenti. À toi à travers cette vidéo et tes commentaires. Si tu as envie de le faire sur le site, tu envoies le lien et je te mets le lien. Et si tu as envie juste de le faire et me dire qui t'emmènerait, ben let's go, tu mets par commentaire, ça fera plaisir. Donc pour moi, les 3 gardiens pour la Coupe du Monde, Alban Lafont, Lloris et Maignan en 1, ce serait Lloris, 2 Maignan et 3 Alban. Là, je ne changerai pas l'hierarchie à la actuelle. En défenseur, je partirai sur Jonathan Klaus, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Kipembe, Koundé, Mendy. Pavard, Saliba et Raphaël Varane. Même si Varane, pour moi, je le mettrais sur le banc. Mais voilà, il faut des cadres un petit peu quand même dans cette équipe.
Au milieu de terrain, je partirai sur un Guendouzi, Rabiot, Sissoko pour l'expérience aussi, et Tchouaméni et Thuram, parce que c'est vrai que c'est un groupe jeune, il n'y a que voilà, il y a que Rabiot qui connaît un peu l'équipe de France, Sissoko, Guendouzi un petit peu, mais c'est pas non plus fou. Tchouaméni pareil, c'est le début, mais je pense que Tchouaméni et Rabiot seront titulaires au milieu de terrain pour l'équipe de France. Et la surprise pour moi, c'est Kefren Thuram. J'aime beaucoup comme joueur et je pense qu'il peut postuler à cette porte-là. Et en attaquant, on prend Karim Benzema, obligé, Ousmane Dembélé, qui peut jouer à droite comme à gauche, Giroud en 10, Giroud en avançant, excusez-moi, Griezmann qui peut jouer un peu partout, Kylian Mbappé qui peut évoluer sur les côtés, Randal Kolo Muani qui peut évoluer sur les côtés ou dans l'axe, t'as de la vitesse, t'as de la percussion, c'est vrai que j'ai préféré, je trouve que c'est des joueurs quand même, ça reste assez rapide dans ma compo, mais pour moi je la trouve plutôt sympa en vérité, hein. Je trouve qu'il y a de quoi faire, il y a des profils différents. Giroud, pour moi, il y a clairement sa place. Après, c'est vrai qu'il faut faire des choix. Il faudra faire des choix. Moi, perso, j'aurais peut-être mis moins de défenseurs. Toi, typiquement, j'aurais peut-être embarqué moins de défenseurs et rajouter peut-être un attaquant en plus, toi. Ou Griezmann, je l'aurais mis avec le milieu de terrain, et qui jouera sûrement en 10. À voir. Mais en tout cas, je trouve que le groupe a vraiment de la gueule. Et perso, moi, je dis pourquoi pas aller chercher... une nouvelle étoile sur notre maillot. On va suivre ça par sur la chaîne de Fat for All. A toi de me dire par commentaire quelle serait ta liste que t'emmènerais pour l'équipe de France pour cette Coupe du Monde. Je vous rappelle que Didier Deschamps annonce la sienne mercredi. On suivra ça et on vous donnera notre ressenti en direct, les amis. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était Romu. Ciao, ciao. On n'hésite pas, on like et on s'abonne. Merci beaucoup. Bye bye.